tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une visite d'île. Donc ça sera une visite d'île, je dirais, naturelle, urbain, mais trop trop canon. Donc sa créatrice, donc son nom Instagram c'est Isle7, voilà, et elle s'appelle Mia. Donc de toute façon, je mettrai son Instagram en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir. Et donc son code onirique, c'est le DA40062577105. Donc c'est parti. Et vous allez voir que son île est totalement incroyablement magnifique. Donc ça s'appelle Neverland. C'est une île urbaine et en même temps naturelle avec beaucoup de forêts, de chalets en bois. Enfin, c'est vraiment très très joli. Vraiment magnifique. J'ai vu son île sur Instagram et j'en suis tombée vraiment amoureuse tellement elle est belle. Donc c'est parti. Vous allez voir, hein, franchement, son style est juste mais magnifique. Toutes les photos que j'ai prises sur son île sont incroyables. Donc là, on arrive. Et on est tout de suite mis dans l'ambiance avec un côté assez urbain, en même temps naturel. Vous allez voir, c'est super joli, mais vraiment. Donc on est bien à Neverland. Je me suis mis dans un style un peu collégien, voilà. Parce que sur sa photo de profil, elle était comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de rappeler un petit peu son compte Insta. Donc là, on arrive. Donc on va regarder sa carte. Ça s'appelle Neverland. Donc elle a 2 habitants et elle a des très très beaux habitants. Bon, à part un que j'aime pas trop là, un, deux que j'aime pas trop. Mais les autres, ça va. Donc là, elle a mis des petits vélos. Si on a envie d'aller faire une petite balade, on peut. Oh là là, le remodi, il est quand même très sympa, hein. Très très joli. Le petit motif au sol, le sentier comme ça, très très joli, vraiment adorable. Alors les plages, elle les a pas forcément aménagées, mais je trouve que c'est bien, ça fait très naturel. Donc franchement, j'aime bien. Donc là, on arrive dans un endroit, on dirait de pêche, où on pêche du poisson. Avec la vue sur la mer, je trouve ça vraiment super joli. Donc là, elle a mis des petits panneaux, comme si qu'on est dans un endroit un peu forestier. C'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop, trop joli. Waouh! Les petits sentiers comme ça, c'est très, très joli. Donc là, on arrive dans le côté du coup de la ville qui est un petit peu plus, on va dire, urbaine. Donc elle avait fait un côté vraiment urbain. Là, on retourne dans le coin un peu naturel avec un pont suspendu. Le camping est là. Ah ouais, sympa, avec la forêt. Oh, c'est super joli. Alors, comment je vais faire? Parce que là, je pense que je me suis bloquée. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui voulais trop aller dans la forêt, maintenant je me suis bloquée. Non, mais de toute façon, si j'ai réussi à passer, je vais réussir à repartir. Voilà, ça y est. Ah là là, j'ai cru que j'allais rester bloquée, hein. En fait, pas comme moi, n'allez pas dans les forêts, là. Sinon, vous risquez de rester bloquée. Donc là, on arrive dans la ville. Donc là, on dirait une espèce de gare. Oh ouais, c'est beau. Elle a fait de magnifiques bâtiments. Et le petit chien, comment c'est trop mignon. Trop, trop joli. Là, on arrive dans un coin un peu terrasse, café. Oh, c'est trop joli. Franchement, j'aime trop. J'ai fait une photo là, mais qu'est-ce que ça donne bien. Qu'est-ce que c'est joli. Elle a vraiment travaillé l'arrière-plan, je trouve. C'est vraiment superbe. C'est vrai que des fois, ce qui est dur dans les îles, c'est de travailler l'arrière-plan. On pense pas forcément après à la vue. Oh là là, regardez-moi ça. Avec plein de magasins comme ça, c'est tellement joli. Oh, waouh. Ça fait vraiment la petite ville, quoi. La petite ville américaine. La petite ville un peu perdue américaine, comme dans les films. Quand ils sont à la ville et qu'ils partent dans une ville un peu paumée, là, dans les forêts, tout ça. Ça fait penser un peu à ça. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est super joli. Oh, un petit parc. Un petit parc pour chiens. Qu'est-ce que c'est mignon. Oh, puis ces routes. Les routes sont magnifiques.
J'aime trop en fait. Je l'avais dit hein, dans une autre vidéo, mais qu'est-ce que j'aime bien les routes. J'ai jamais fait ça sur mes îles. Moi, je les voulais toujours naturelles, naturelles, mais finalement, comme ça, quand on trouve des beaux motifs comme ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup quand même. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ces petites ruelles. Ah, oh, j'aime trop les maisons alignées comme ça, finalement, j'aime bien. Hein. Oh, super joli le petit pont comme ça, suspendu. Oh, c'est trop joli. Donc là, on dirait qu'on retourne un peu dans le côté un peu nature. Ah, il y a un pêcheur. C'est son personnage. Oh, excellent. Donc là, il y a un petit coin si on a envie de se poser dans la forêt. Oh, c'est trop mignon. Ah ouais, c'est beau. Ouais, les plages, elle les a pas beaucoup aménagées, mais moi, je trouve que c'est bien comme ça. Il n'y avait pas besoin de les surcharger. Comme elle a voulu faire quand même quelque chose de naturel. Oh, puis toutes ces forêts de sapins, mais moi, je trouve ça trop joli, hein. Oh là là, petit spot encore, je pense, pour pêcher. Là, on arrive dans une maison, je pense, elle a fait une petite maison un peu style ferme. Oh, on dirait des petites fraises. Ah oui, elle a mis le petit drapeau fraise. Oh, c'est trop mignon. Comme si qui cultive des fraises, des... Oh, c'est trop chou. Ah oh, ouais, j'aime bien. Et puis, j'aime bien son remodil. Je trouve qu'elle a bien fait son remodil. J'aime bien les îles comme ça où on monte, on descend. On a l'impression que l'île est beaucoup plus grande en fait. Le pont qu'on a vu tout à l'heure. Oh, incroyable. Incroyable. Moi je trouve ça mais méga joli. Hein. Oh là 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 là. Les cloisons elles sont trop belles comme ça. Oh, oh c'est trop joli. Vraiment c'est magnifique. Cette île m'a vraiment tapé dans l'œil. Ah bah voilà un des habitants que j'aime un peu moins de l'île. Ah là là. Oh ouais. Bah là je crois qu'on est déjà passé par là, mais on n'était pas passé. Oh le petit pont suspendu. La cabane dans les arbres. Oh mais c'est une trop bonne idée. Et regardez en haut, on voit même la pomme à travers. Mais c'est une trop bonne idée ça. Oh là 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 là. Elle a vraiment de l'idée quand même. Regardez-moi ça, on voit la petite pomme à travers. Oh, mais c'est trop joli. Oh, avec la petite... Elle a bien choisi les maisons en fonction de son thème. Des petites maisons en rondins de bois comme ça. Oh là là, mais ça va trop bien dans son thème. Oh là là, c'est trop joli, vraiment. Quelle bonne idée, quoi. J'adore vraiment les visites d'îles. Hein. Ça donne vraiment plein d'idées. C'est inspirant, quoi. Puis surtout quand on tombe sur des îles comme ça qui sont tellement bien aménagées. Son île vraiment mérite d'être connue, je trouve. Hein. Vraiment, c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo sur son île. J'avais vraiment envie de vous la faire connaître parce que je trouve qu'elle vaut vraiment le coup quand même. Hein. Il me semble qu'il y a un endroit aussi où il y a une longue route bordée de forêts. C'est trop joli. Mais trop trop jolie. D'ailleurs, c'est la photo qui m'a donné envie d'aller sur son île. Donc là, on retourne dans la forêt avec un petit coin. Oh là là, la statue d'ours. Eh, mais ça va trop bien. Hein. Oh, c'est trop joli. Donc ça, c'est sa maison. On va aller voir ce qu'elle a fait dedans. Ça m'intéresse trop. Alors... Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Bah comme un chalet, voilà. En fait, ça fait vraiment le petit cottage, quoi. On va louer quelque chose et puis voilà, on a notre petite location en bois, dans les bois. Ah, c'est génial. Mais c'est vrai, ça fait vraiment américain à fond, quoi. Je trouve ça mais tellement bonne idée. Limite, ça te donne envie de tout raser encore ton île et tout refaire. Oh là là, à chaque fois, ça me donne envie de raser mon île. Oh, c'est trop joli. Regardez-moi les toilettes. Elle a même fait des petits motifs vitres. C'est une trop bonne idée, ça. Hein. Que de bonnes idées, hein, dis donc. Que de bonnes idées. On va monter en haut. On va voir un petit peu ce qu'il y a en haut. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a fait en haut? Ça m'intéresse vraiment, là. Oh, une bibliothèque. Mais moi, j'aime trop les bibliothèques. Oh là 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 là, trop jolie sa bibliothèque. Bah pareil, hein, dans les films américains, c'est toujours comme ça. Hein. T'arrives dans la petite ville, là, un petit peu paumée, là, et puis...
Et puis, t'as des bibliothèques. Je sais pas si vous êtes adepte des téléfilms, mais c'est vraiment comme ça. Oh, purée. Alors, en bas, on a quoi? Eh ben, on a l'espèce de petit appartement. Voilà, de petit cottage. Très mignon. Très, très mignon. J'aime beaucoup. Superbe. Alors, qu'est-ce que... Bah écoutez, maintenant, on va sortir parce que de toute façon, elle a bouché les autres entrées. Donc, on va retourner... Il nous reste un petit coin, je crois, encore à voir sur son île. Et je pense qu'on sera tout bon. Et je crois que c'est par là-bas, il me semble. Ouais, c'est par là. Donc voilà, donc c'est l'entrée de son aéroport, en fait. Donc les cadeaux, bah, je vais pas les prendre parce que je me suis bien habillée, j'aime bien comment je suis. C'est dommage qu'elle les ait mis devant l'aéroport parce que quand on fait les codes oniriques, c'est vrai qu'on passe plus par la mairie. Donc bah du coup, je vais peut-être juste prendre les objets qu'elle a mis, mais c'est vrai que les autres cadeaux... Ah oui, le petit lampion! Mais moi j'adore ce lampion. Moi j'adore ce lampion. Mais je vais prendre le café aux perles pour changer un peu. Allez. Je vais boire mon petit café là, tout en me promenant. Oh, voilà, c'est ça. C'est la route que j'ai vue et que j'ai trop aimée. J'ai trouvé ça, mais tellement beau. Le petit panneau, les petits rênes comme ça. Oh là là, c'est trop joli. Bah voilà, je crois qu'on a fait vraiment toute la visite de l'île. Si vous me découvrez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il y aura plein de visites d'îles encore en cours. J'ai vu plein d'îles incroyables à visiter. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez vraiment aimé cette île comme moi, mais moi je l'ai trop adorée. Dites-moi si vous voulez d'autres visites d'îles. Partagez et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Et n'hésitez surtout pas à liker. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!